Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors en ce temps de confinement qui j'espère se passe bien pour vous, on va donc recommencer sur la chaîne Vision Hightech les petites vidéos sur le Google Home qui vont certainement vous servir durant ce confinement. Donc c'est parti, il va y avoir pas mal de petites applications sympathiques que je vais vous présenter. On sera sur un Google Home classique et je ne sais pas si vous savez, mais sur le Google Home classique, on n'a plus besoin de dire le mot-clé que vous connaissez tous. On pose le doigt dessus, on laisse appuyer. Quelle heure est-il? Il est 17h12. Et on a la réponse, c'est-à-dire on laisse poser le doigt, on entend le bruit significatif et c'est parti. Allez, c'est parti pour cette petite vidéo. Abonnez-vous, nombreux, venez rejoindre la Team Vision et c'est parti pour cette vidéo. Parler avec Mona la Joconde. Je suis Mona Lisa, la Joconde pour certains. Demande-moi tout ce que tu veux. Vraiment tout. Je suis comme une amie qui a beaucoup de sagesse. Je t'écoute. Que fais-tu aujourd'hui? Je fais ce que je pense être bien. Par exemple là, je te fais profiter de mon expérience pluricentenaire. C'est une bonne chose je crois. As-tu une autre question? On passe tout de suite au suivant. On va parler avec... Parler avec Rapid Quiz. Bien sûr, je vous mets en relation avec Rapid Quiz. Bienvenue sur Rapid Quiz. Quel est le nom du quiz que vous voulez activer? Merci de réessayer. Quel est le nom du quiz que vous voulez utiliser? Si vous n'en avez pas dit, démonstration. Démonstration. Bienvenue sur le quiz de démonstration. Nous allons poser 5 questions sur différents sujets. Chaque bonne réponse vaut 1 point et une mauvaise vaut 0 point. Le quiz démonstration peut être joué par 1 à 3 joueurs maximum. Combien de joueurs pour cette partie? 1. C'est parti. Question 1. Comment s'appelle le satellite de la Terre? On continue avec la troisième application, c'est parti. Allez, on part sur les animaux. Nom du nourrisson de l'animal. Très bien, voici nom du nourrisson de l'animal. Bienvenue dans jeu de fiches d'apprentissage amusant. Voyons si nous pouvons faire travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème animaux. Très bien, question numéro 1. Comment s'appelle le petit de l'abeille? Vous voulez un indice ou bien réessayer? Indice. Ok, la réponse est larve. Voilà donc nom du nourrisson de l'animal. On continue. Parlez avec Devinez le pays. Très bien, je vous mets en contact avec Devinez le pays. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer quiz de culture générale amusant avec vous. Une première question pour vous. Le kiwi est un oiseau incapable de voler qui vit dans quel pays? Hongrie, Italie ou Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Zélande. Et oui, c'est bien ça. Allez, c'est parti, on continue. Parlez avec Princesse Dansante. Ok, je vous mets en relation avec Princesse Dansante. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer Princesse Dansante avec vous. Première question. Colis à des montres? Travailleurs acharnés, bravade de guerriers ou la musique? C'est parti, on continue. Parlez avec Quiz Scientifique. Ok, je vous mets en relation avec Quiz Scientifique. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer Quiz de culture générale amusant avec vous. Une première question pour vous. Qui a inventé le stylo à billes? BICC Brothers, Biro Brothers ou Waterman Brothers? Et voilà pour cette application. On continue, c'est parti. Alors, pour les fans d'Harry Potter, c'est parti. Parlez avec Harry Potter Scoop. Ok, je vous mets en contact avec Harry Potter Scoop. Bienvenue dans Harry Potter Trivia Time. Faisons travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème Harry Potter. Première question. Quel est le nom du ministre bulgare de la magie?
Et c'est parti donc pour Harry Potter. Si vous êtes un fada d'Harry Potter, toutes les questions seront dans votre Google Home. C'est parti, on continue. Parlez avec nom des villes, devinez. Bien sûr, je vous mets en contact avec nom des villes, devinez. Bonjour, c'est l'heure du quiz de culture générale amusant. Première question. Ville qui se trouve sur la rive de la rivière Spree. Liverpool, Moscou ou Berlin? Voilà, donc si vous êtes un amateur de la géographie, cette application sera pour vous. On continue. On continue sur Harry Potter. Parlez avec quiz pour les fans d'Harry Potter. Ok, voici quiz pour les fans de Harry Potter. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer quiz pour les fans de Harry Potter avec vous. Première question. Quel est le plat principal au petit déjeuner diététique de Dudley Dursley? Cottage cheese, pamplemousse ou œuf poché? On continue donc. Parlez avec devinez l'année du film. D'accord, je vous mets en relation avec devinez l'année du film. Bonjour, c'est l'heure du Adivina et l'agneau del ciné. Une première question pour vous. En quelle année a été L.I.S.T.R. Lochtet Tout est illuminé à publier? 2004, 2005 ou 2006? Si vous aimez les dates de films, c'est dans cette application que vous allez trouver votre bonheur. Parlez avec pantalon carré. D'accord, je vous mets en relation avec pantalon carré. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer The Fun Trivia Game avec vous. Une première question pour vous. Quel signe horoscope a un crabe? Cancer, Léo ou Gémeaux? Cancer. Chapeau l'artiste. Question numéro 2, c'est reparti. On continue sur la nouvelle application. Parlez avec jeu questionnaire sur les animaux aquatiques. Bien sûr, je vous mets en relation avec jeu questionnaire sur les animaux aquatiques. Bonjour, c'est l'heure du jeu questionnaire sur les animaux aquatiques. Une première question pour vous. Combien de différentes espèces de méduses se trouvent dans tous les océans? 1500, 1000 ou 2000? Allez, c'est à vous de jouer, répondez à la question et lancez votre Google Home. C'est parti, on continue. Toujours sur les animaux. Parlez avec famille d'animaux. D'accord, voici famille d'animaux. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer The Fun Trivia Game avec vous. Inspirez profondément, c'est votre première question. Quel animal peut regarder deux manières en même temps? Chamaléon, lézard ou serpent? Allez, c'est à vous de répondre et puis lancez votre Google Home pour continuer le jeu. On continue. Parlez avec nom du pays. D'accord, voici nom du pays. C'est votre première question. De quel pays appartient Abraham Lincoln? Amérique, Sud-Africain ou Inde? Allez, c'est quoi votre réponse? C'est parti, lancez votre Google Home et continuez le jeu sans moi. C'est parti, on continue. C'est pour les sportifs. Parlez avec quiz football pro. D'accord, voici quiz football pro. Bonjour, c'est l'heure du The Pro Football Quiz Game. Première question. En quelle année la France a-t-elle remporté la Coupe du Monde plus tôt? 1994, 2002 ou 1998? 1998. On va parler un peu biologie. Parlez avec quiz biologie. D'accord, je vous mets en contact avec quiz biologie. Phloem est un tissu trouvé dans insectes ou les plantes? Oh là là, je connais pas la réponse donc j'ai arrêté le jeu, c'est à vous de continuer. On continue, c'est parti. Et si on parlait avec monsieur Homme? Parlez avec monsieur Homme. Monsieur Homme à votre service. Mise à jour du jeudi 19 mars. Bonjour à tous. Aujourd'hui, flash un peu particulier durant cette période de confinement. Ce virus va changer durant quelques semaines certainement nos habitudes quotidiennes. Mais même si nous ne pouvons plus voir nos amis et parfois nos familles, la technologie peut rendre des services pour pallier à de nombreux problèmes. En effet, pour les plus jeunes habitués aux réseaux sociaux, leur quotidien reste assez normal. Ils continuent à chatter par Facebook ou Instagram. Allez, donc continuez avec Monsieur Homme, vous allez vraiment vous régaler avec cette application. Et pour vous, de votre côté, likez-moi cette vidéo, partagez-la, et puis abonnez-vous sur Vision Hightech. Rejoignez la Team Vision pour ses 40 000 abonnés. C'est parti, on continue. Parlez avec Ricardo.
Bonjour, ici Ricardo. Voici l'astuce du jour. La pâtisserie, c'est de l'organisation. Mon premier conseil est d'abord et avant tout de bien lire toute la recette. Ensuite, sortir tous les ingrédients, bien les mesurer, sortir vos casseroles, vos moules et vos instruments de cuisine. Allez-y, lancez-vous. Allez, donc c'est parti. Vous pouvez donc discuter avec Ricardo qui va vous apprendre plein de petites recettes sympathiques. On continue. Parlez avec citation et argot. Salutations, souhaitez-vous une citation ou un mot d'argot? Citation. La vie est une fleur dont l'amour est le miel. On continue. Allez, on attaque un petit peu les maths. Parlez avec savoir sur le tableau périodique. Très bien, voici savoir sur le tableau périodique. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer savoir sur le tableau périodique avec vous. Inspirez profondément, c'est votre première question. Quel est le numéro atomique de césium? 55, 54 ou 58? Et on va parler avec la batterie indienne. Parlez avec la batterie indienne. Très bien, je vous mets en contact avec la batterie indienne. Tour général amusant. Première question. Qui est le fondateur du parti politique Dravida Munnetra Kazhagam DMK? Monsieur Karunanidhi M.G. Ramachandran ou C.N. Anadurai? Aïe, 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 mais écoutez, je vais vous laisser faire de vous-même et c'est parti, on continue. Alors, pour rigoler, si vous avez quelqu'un qui arrive et voulait faire un petit bruit de paix, c'est parti. Parlez avec bruit de paix. Très bien, je vous mets en relation avec bruit de paix. Et on va parler avec petit bambou. Parlez avec petit bambou. Bienvenue chez Petit Bambou. Souhaitez-vous méditer? Oui. Parfait. Votre méditation est prête. Bonne séance. Ce confinement, vous allez écouter ma voix. Vous allez vous diriger vers le bouton, le pouce bleu. Vous allez vous diriger vers le pouce bleu. Vous allez cliquer sur ce pouce bleu. Et juste dessous, en bas, à droite, vous avez... Installez-vous dans votre posture de méditation. Vous avez le bouton « S'abonner ». Vous allez cliquer sur ce bouton. Prenez le temps de vous installer. Et après avoir cliqué sur ce bouton, vous allez être abonné à la Team Vision High Tech. Vous ne serez pas déçu. Vous allez aimer. Les vidéos faites sur cette chaîne vont vous faire découvrir des nouveautés. En ressentant toute la zone de contact des pieds avec le sol. Des nouveautés high tech. Mettez vos pieds au sol. Allongez-vous. Et c'est parti pour la Team Vision. On continue, c'est parti. Allez, on change, on va parler avec Je suis Batman, c'est parti. Parlez avec Je suis Batman. Bien sûr, voici Je suis Batman. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer Je suis Batman avec vous. Une première question pour vous. Quel est le vrai nom de John Blake? Robin ou Ban? Allez, je vous laisse répondre. Moi, je connais pas, donc c'est parti. Et si on parlait avec bataille de slogan, c'est parti. Parlez avec bataille de slogan. Bien sûr, voici bataille de slogan. Une première question pour vous. Léchez les doigts, bien. KFC, Unilever ou McDonald's? Bon, allez, je vous laisse répondre, c'est pas moi qui connais ça, c'est vous. Alors c'est parti, on continue. Et si on parlait à mon jardin musical, c'est parti. Parlez avec mon jardin musical. Bien sûr, je vous mets en relation avec mon jardin musical. Coucou, bienvenue dans ton jardin musical. Alors, je me présente, moi c'est Léon, je suis le lapin du jardin. Et c'est moi qui vais te guider. Je vais t'emmener découvrir des comptines, des histoires et des chansons. Au fait, comment tu veux que je t'appelle ? Voilà, donc si vous avez des enfants, parlez avec mon jardin musical, ça va être un grand bonheur pour eux. On continue. Et si on parlait maintenant avec rire diabolique, c'est parti. Parlez avec rire diabolique. D'accord, voici rire diabolique. Parlez avec page jaune. Très bien, je vous mets en relation avec Page Jaune. Bonjour, bienvenue sur Page Jaune. Depuis ma dernière mise à jour, je peux gratuitement vous mettre en relation avec un professionnel. Lorsque vous aurez trouvé le professionnel à contacter, dites simplement le mot « contacter » et je m'occupe du reste. Que recherchez-vous aujourd'hui ?
Donc, comme vous avez pu entendre, testez-le. Vous allez pouvoir être mis en relation directement avec votre Google Home. Et ça, c'est sympathique. Et on va parler avec animal de test. Ok, voici animal de test. Bienvenue dans jeu de fiches d'apprentissage amusant. Voyons si nous pouvons faire travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème animaux. Voici la première question. Comment s'appelle le petit de la baleine? Le baleineau. Excellent, vous avez trouvé la bonne réponse. Le petit de la baleine bleue boit environ 400 litres de lait par jour jusqu'à ses 7 mois. Que pensez-vous de celle-ci? Et on va parler avec la reine de la connaissance. Ok, voici la reine de la connaissance. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer The Fun Trivia Game avec vous. Inspirez profondément, c'est votre première question. Le slogan pour lequel la marque auto est le meilleur ou rien? Gay, Mercedes-Benz ou Honda? Allez, je dirais Mercedes, mais peut-être que c'est pas ça, on continue. On va maintenant explorer la faune. Parler avec Explorer la faune. Ok, voici explorer la faune. Et si on rejouait faune? Première question. Un flotteur est le nom collectif pour lequel créature? Papillon, fourmi ou moineau? Allez, c'est parti, c'est ça à vous de répondre. On continue et on va faire un petit vrai ou faux, c'est parti. Parlez avec vrai ou faux. Bien sûr, je vous mets en relation avec vrai ou faux. Salut, êtes-vous prêt à apprendre des faits amusants en jouant au vrai ou faux? Émoticône souriant. Oui. Planète la plus petite est Pluton. Vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse, c'est aussi la plus froide. L'astéroïde qui c'est le... Eh bien, j'ai perdu. Je vous laisse continuer. C'est parti, on continue de ce côté-ci. Et on va parler avec conversation amusante. Parler avec conversation amusante. D'accord, voici conversation amusante. Qui est connu comme l'inventeur de l'automobile à essence? Carl Benz, Amédée Bolli ou Nicolas-Joseph Cugnot? Carl Benz. Parfait. Oh là, parfois je m'étonne. Allez, on continue. Et si on parlait pic-bois curieux pour les enfants, c'est parti. Parler avec pic-bois curieux. Bien sûr, je vous mets en contact avec pic-bois curieux. Qui est là? C'est moi, Christophe. Veux-tu découvrir avec moi des bruits de mes amis animaux? Oui. On continue et je vous laisse faire découvrir ça à vos enfants. Ça peut être génial pendant ce temps de confinement. Et maintenant, on va passer le temps avec le jeu du pendu. C'est parti. Parlez avec jeu du pendu. Bien sûr, voici jeu du pendu. Bonjour, est-ce que vous êtes prêt à jouer au jeu du pendu? Si vous ne connaissez pas les règles, demandez-les. Règles. L'objectif du jeu est de découvrir un mot en devinant les lettres le composant. À chaque tour, vous pourrez choisir... Et on va parler avec petit bateau. Parler avec petit bateau. Très bien, voici petit bateau. Ravi de vous retrouver, Matelot. On dirait bien que vous adorez les contes. Vous voulez en écouter un autre? Oui. Chouette, alors, plutôt de l'aventure, des animaux ou des copains? Allez, c'est parti encore pour les enfants. Et donc là, vous allez pouvoir les amuser avec de jolis contes, parler avec Petit Bateau, n'hésitez pas, pour leur faire connaître des nouveaux contes pendant ce temps de confinement. Cela peut être tout à fait idéal. Voilà donc pour toutes ces applications qui, j'espère, pourront vous divertir tout au long de ce confinement. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent eux-mêmes s'amuser pendant ce temps de confinement. Je vous souhaite un très bon courage, que tout aille bien pour vous ainsi que pour votre famille. Je vous dis donc à très bientôt sur Vision High Tech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Merci.